chien-loup est le résultat du croisement de la forme domestique, chien, de l'espèce Canilupus et de sa forme sauvage, loup gris commun. On appelle également chien-loup les membres des lignées résultant de la reproduction de chien-loup entre eux. Cette descendance, une fois stabilisée, peut former une race de chien-loup domestique. Le chien domestique et le loup sont deux sous-espèces de l'espèce Canilupus. Il n'y a pas de barrière de l'espèce et l'interfécondité est naturelle. Lorsqu'il est réalisé intentionnellement, le but de ces croisements est d'augmenter la résistance des chiens et ses performances physiques. Les chiens actuels souffrent de nombreux problèmes. Plus de 350 maladies génétiques ont été répertoriées, consécutives à une trop forte sélection artificielle pour obtenir des races pures. Certaines de ces maladies pourraient être dues à cette sélection artificielle, mais cela est loin d'être démontré pour la plupart d'entre elles. Le cri du chien-loup est appelé choulement. Il consiste en un long hurlement semblable à celui d'aucun autre chien ou loup. Seules deux races de chien-loup domestiques, considérées comme génétiquement stables, sont actuellement reconnues par la Fédération cynologique internationale. Le chien-loup tchécoslovaque issu d'un programme militaire réussi par l'armée de l'ancienne Tchécoslovaquie. Les croisements sont effectués strictement à partir de bergers allemands et de loups des Carpates. Créé dans les années 1950, il fut reconnu par la FCI en 1999, après la chute du rideau de fer. Le chien-loup de Sarlo créé par Lander Sarlo initialement à partir d'un berger allemand et d'une louve sibérienne. Les hybrides ainsi conçus ont été par la suite accouplés avec d'autres hybrides obtenus grâce à des chiens et des loups d'origine inconnue. Cette nouvelle race créée dans les années 1930 n'a été reconnue par la FCI qu'en 1981. Parce qu'il est génétiquement très proche du loup, le chien-loup tchécoslovaque a hérité de ce dernier une grande résistance et une santé plutôt robuste. Le principal risque de maladie auquel ce chien est soumis est celui associé à la dysplasie de la hanche. Cette malformation progressive peut se révéler à l'âge adulte et concerne la plupart des chiens de moyen et grand format. Son activité physique doit donc être modérée dans ses premières années de vie pour ne pas favoriser l'apparition de cette pathologie. Il peut aussi avoir quelques problèmes oculaires. Le chien-loup de Sarlo est un chien animé par une grande vivacité et une énergie considérable. Il est aussi très intelligent et indépendant. Le chien-loup de Sarlo est tout sauf un animal soumis, mais cela ne l'empêche pas d'être attaché à son maître qu'il doit identifier comme le chef de meute. Il a hérité d'instincts primitifs assez forts du loup, comme sa tendance à la méfiance et à la fuite face à des situations qu'il ne connaît pas. Ces spécificités font que le chien-loup de Sarlo n'est pas un excellent chien de garde, mais il demeure un très bon compagnon s'il est respecté et bien éduqué. Le chien-loup dispose d'une robe assez fournie en période de mue. Son poil, qui le protège contre le froid et les intempéries, ne nécessite pas un entretien poussé. Il doit néanmoins être régulièrement examiné afin de déceler d'éventuelles lésions ou maladies. Le chien-loup de Sarlo n'est résolument pas un chien d'appartement. La vie en milieu urbain lui sied nettement moins que celle en campagne, où il se sentira totalement dans son élément dans une maison avec un grand jardin clôturé. Il s'adresse principalement aux personnes expérimentées et actives.
le chien loup se satisfait parfaitement d'une alimentation à base de croquettes de haute qualité. Ces dernières lui apportent toute l'énergie nécessaire. Cependant, il peut aussi ingérer de la nourriture humaine. Ainsi, il sera friand de viande crue, de féculents et de légumes frais. Dans tous les cas, ses rations doivent être adaptées à sa dépense quotidienne. En raison de la particularité de cette race, vous pouvez demander des conseils à un vétérinaire. Le chien loup a besoin de longues sorties quotidiennes. Il ne doit absolument pas en être privé, car son tempérament est celui d'un animal, certes attaché à son maître, mais qui a besoin d'une grande liberté de mouvement. Le chien loup tchécoslovaque est un chien très sportif qui a besoin de se dépenser quotidiennement, que ce soit par le biais de longues balades, de sorties en vélo. Le chien loup de Sarlot connaît une mue pouvant être importante vers la fin de l'hiver et le début du printemps. En dehors de la mue, il demeure très simple à entretenir, d'autant plus qu'il assure sa toilette seul. Ce chien peut être atteint d'épilepsie essentielle ou idiopathique. Un traitement médicamenteux, administré tous les jours et à vie, pourra alors être nécessaire afin de réduire l'intensité et la fréquence des crises d'épilepsie. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt.